Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, une sélection d'événements à venir près de chez vous. Pour la troisième année, le doyenné du littoral, dans le diocèse de Lille, vous invite à participer à une journée de prière en forêt. Rendez-vous le 7 août de 9h30 à 17h pour prendre le temps avec Jésus-Christ au cœur de la nature. L'occasion d'écouter, de méditer, de partager la parole de Dieu dans un cadre privilégié, le Bois des Forts à Coudekerque Village. Pour obtenir plus d'informations et vous inscrire à l'événement, envoyez un mail à d.joelleani@free.fr. Le 28 et 29 août, les séminaristes du diocèse de Meaux se retrouveront à l'abbaye de Jouarre pour leur session d'été. À cette occasion, le service des vocations propose à ceux qui se posent la question d'un appel au sacerdoce de se joindre à la session pour un temps de discernement sur la vocation de prêtre. La proposition est ouverte à tous les hommes de plus de 18 ans. L'inscription est obligatoire et se fait par téléphone auprès du père Jean-Baptiste Pelletier, que vous pouvez appeler au 07 78 83 69 10. Une randonnée nocturne pour découvrir la vie de Sainte Thérèse. C'est ce que vous propose le sanctuaire de Lisieux dimanche 18 août. Le départ se fera à 20h15 depuis le Carmel. Pendant 2 heures, découvrez les petites rues de Lisieux en suivant un guide qui vous contera des anecdotes sur l'enfance de Thérèse et la vie de la famille Martin. Le prix de cette randonnée est de 4 euros par adulte et 2 euros par enfant. Inscription par téléphone au 02 31 48 21 00 ou par mail à l'adresse info@therese-2-lisieux.com. Direction la Lorraine pour terminer. Rendez-vous les 14 et 15 août pour célébrer la fête de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de Sion. Parmi les temps forts de ces 2 jours de célébration, une procession en flambeau suivie d'un temps de prière chantée le mercredi 14 août. Le lendemain, la messe de l'Assomption sera présidée par le père Gérard Capanelli, recteur du sanctuaire. Une prière mariale aura également lieu à 15h. A noter la présence de Laurent Gibowski, qui assurera l'animation musicale de cet événement. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du diocèse, catholique-nancy.fr, ou contacter le sanctuaire de Sion par téléphone au 03 83 25 12 22. Vous aussi, vous pouvez nous partager les événements que vous organisez. Pour cela, 2 solutions, soit par mail à l'adresse agenda@ktotv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte avec le chant Couleur Pamplemousse, un extrait de l'album Aimé, créé par les étudiants de l'école Pierre et sorti en juin de cette année. Je reprends courage en relisant le passage où mon père a promis de me garder son amour. Pamplemousse. Et le ciel est couleur pamplemousse.